Bon nouvelle, eh bien, après que le ministre lui-même l'était dans le micro la presse pour être capable de faire grand public là connaître que ordonné la police nationale là pour attaquer les 400 maozo, pour attaquer le village de Dieu, pour attaquer un paquet l'autre groupe gang qui a ferraillé sous territoire national là, eh bien, André Michel lui-même l'était dans le micro la presse tout pour te faire connaître que ça même c'était à faire, nèg yo connaît comment pour démantle le groupe gagnant. Si toutefois yo pa vle démantle yo, c'est parce que yo pa vle. Elle te fait connait tout nèg sa journée aujourd'hui, c'est même yo même encore cap financer yon paquet groupe gang. Faut que moi di nous André Michel tap fait des déclarations piment bouc. Elle te même aller plus loin pour le faire connait que procès Petro-Caribe a même li pa karité dans tiwa. Procès Petro-Caribe a li supposé fait. Elle fait connait tout comme Petro-Caribe a son comme qui était capable développer pays a nan construyon paquet l'hôpital, nan construyon paquet l'école et nan bâti yon paquet route. Alors maître André Michel lui-même c'est consal dans micro la presse, li t'a accusé régime PHTK qui mange comme ça, régime PHTK qui fait comme ça passer nan tiwa. Alors nous pral laisse regarder comment ça t'est lui-même dans micro la presse, comment André Michel lui-même li t'a fait des déclarations piment bouc, comment tout li t'a voyé yon paquet point sous gouvernement Jovenel Moïse là. Avant même que nous laissons regarder comment mettre André Michel lui-même li t'est dans micro la presse pour le bay yon conférence qui t'en salue et remercie, ou même qui regarde des vidéos ça, ou même qui déjà abonné à la chaîne là, ou même qui toujours apply quitter un commentaire et ou même tout qui pral partager vidéo ça, ou même qui peut-être a regarder vidéo ça qui poko abonné à la chaîne là, n'a invité à abonner avec chaîne là pour nous capable à grandir communauté à en regarder comment mettre André Michel lui-même li t'est dans micro la presse avec des déclarations piment bouc et puis n'a tourné pour plus. Et puis, n'a pas tourné pour plus analyse. Bon, j'en ai qu'à comprendre. Conférence de presse matin, on a parlé de son série de dossiers importants, des dossiers de justice, notamment le dossier Petro-Caribe. Le dossier Petro-Caribe, c'est un dossier très important. Et moi toujours dit, m'a répété, mais fonctionnaire dit, player dit, procès Petro-Caribe son procès historique, son procès symbolique. Faut que nous fassions procès ça pour nous finir avec corruption. Faut que nous fassions procès Petro-Caribe pour nous jeter base construction nouvelle Haïti. Parce que nouvelle Haïti a faut pas de corruption là-dedans. Faut pas de voler l'argent l'État là-dedans. Moi, j'ai fait un exercice avec des ingénieurs qui montraient quelle quantité de travail ils étaient capables de faire avec l'agent Petro-Caribe au volet, qui c'est plus que 4 milliards 200 millions de dollars américains. Ils étaient capables de construire 10 autres universités, dans toute université limonade là, dans le pays, avec eux. Ils étaient capables de construire 100 lycées à travers le pays, sans difficulté. Nous sommes capables de construire deux gros aéroports, comme l'aéroport Miami, l'aéroport New York, Napgadeo. Nous sommes capables de construire 500 km de route, ça veut dire route dans la Grand Anse, route dans le Nord-Ouest, route dans le Sud-Est, route dans la Tibonite, route dans le Nord, avec la Jean-Pétro-Caribe. Nous sommes capables de construire un autre parc industriel, comme le parc industriel Caracol, là, avec la Jean-Pétro-Caribe. Nous te ka fait en pile bagay avec l'agent Petro-Caribe. Ça veut dire moun ki vole propre Petro-Caribe yo, yo fait pays a mal, yo fait pays en gros méchanceté et yo nan façon pour nous suspendre avec question corruption ça. Question l'agent l'état c'est l'agent, c'est choix le pas professeur de la dedans, il faut faire le procès Petro-Caribe. Moi féliciter Zanmi Sayo qui te pote plainte dans le dossier ça. Je félicite mettre maison neuve tout pour engagement yo prend. Pour m'attendre tout ça attendez. Ce n'est pas nous qui te pote plainte pour ça te fini déjà. Pas t'a bien dossier Petro-Caribe encore. Yo t'a bien en fond compte mal taillé avec Ramon Sidaximé. Yo t'a bien juger tout le monde.
procès a tap fini. Mais heureusement, c'est nous qui te porté plainte, c'est nous qui avons commencé le procès. Tout le gens ont viré qui ont en face. Je dis à nous font véritable guérilla judiciaire avec vous. Procès Pedro Caribbean devant la Cour de cassation. Li devant CSPJ. Li devant coup d'appel. Nous tous côtés, nous avons battu avec eux. Et nous avons tenu à mon aussi pour nous faire avec l'ordonnance qui vient pour sortir. Si il ne va pas retirer l'école, parce qu'en principe, il doit retirer l'école. C'est un dossier important. Nous ne sommes pas capables de quitter le dossier ça craser. Nous ne sommes pas capables de quitter le dossier ça tomber. Et nous sommes capables de dire, nous avons une information. Nous offrons aux gens qui peuvent plaindre l'argent pour aller canoter, pour retirer plainte, pour craser le dossier. Nous ne pas marcher parce qu'il y a une condition. Nous même avocats, nous relais nous, offrir l'argent, offrir millions pour nous parler avec mon qui peut être plaintif, nous capables de quitter le dossier à tomber. Nous disons, le dossier ça n'a pas pour nous. Le dossier Pedro Caribe est le dossier de la nation haïtienne. Ça veut dire, c'est tout peuple là qui nous est mobilisé, qui nous est engagé pour être capable de réussir pour ce Pedro Caribe. Ce n'est pas normal dans le pays, côté nous pas à l'école, nous pas à l'hôpital, nous pas à route. Professeur pas qu'à toucher, policier pas qu'à toucher, on peut écraser, il n'est pas normal pour nous accepter 2-3 garçons avec femmes volées, plus passer 4 milliards 200 millions de dollars. Et j'en notais toujours dit, depuis janvier 2018, là nous commençons pour ces Pedro Caribe, tout autant Jovenel Moïse, avec PHTK sous pouvoir, pour ces Pedro Caribe, pas j'en fait. Et je vous dis à l'éclair, nous faisons tout ça possible pour écraser pour ces. Mais heureusement pour les Haïtiens, c'est nous-mêmes qui avons commencé le dossier. Nous campons là et nous allons aller jusqu'à la victoire finale. Et tout ça qu'a fait dans le pays, il y a quand nous mettons pour tout le monde, référendum pour changer la constitution, pour aucun pouvoir, tout ça qu'a fait la vieux conseil électoral, tout bagaille ça, c'est Pedro Caribe qui provoque. Parce que vous finissez voler comme là, et vous pouvez aller dans la prison, vous parlez la justice. Jugez, vous voulez qu'un pouvoir pour tout. Alors le combat pour le procès Pedro Caribe, la lutte contre la corruption, faut bataille ça continue. Nous avons un dossier zone industrielle Savanne-Diane. Côté Jovenel Moïse prend 18 millions de dollars américains l'argent l'État à paix. En plus passer 10 000 carottes paysans, c'est Michel Donatalay, Maïssa dans le nord à paix pour le faire zone industrielle Savanne-Diane, n'a dit trois batailles. Premièrement, arrêter 8 février 2021, Jovenel Moïse prend pour le faire zone industrielle Savanne-Diane, pour le bail à peine toute richesse pays, arrêter ça illégal, ce n'est pas constitutionnel, parce que depuis 7 février 2021, mandat Jovenel Moïse prend. Deuxième bagaille, nous dit à peine 18 millions de dollars américains prend, remettre l'État haïtien comme là, parce que nous avons besoin comme là pour nous faire route, nous besoin comme là pour nous faire l'hôpital, nous besoin comme là pour nous construire l'école. Nous avons besoin de pour nous payer professeurs, nous avons besoin de pour nous payer policiers. Troisième bagaille, m'a dit, paysan, Savanne-Diane, c'est Michel de la Talaye, Maïssad, reprenez-nous. Vous pouvez reprendre vos terres. Parce que Jovenel n'ai pas de droit, 8 février 2021, pour te décider, pour prendre tes paysans pour le bail, André Appel Junior, et puis pour prendre 18 millions de dollars américains pour te bail. Alors, c'est des dossiers importants. Que nous-mêmes n'apportons comme citoyens, comme des acteurs de la société civile. Parce que pour nous, nous c'est ça important. Et nous continuons à assumer la responsabilité, nous continuons à bataille pour la libération des prisonniers politiques. Par exemple, les familles prisonniers politiques, et Kilik, Joannel Paul, et particulièrement ça, nous contactons nous sur le dossier. Et comme vous contactez nous, à partir de ce moment, nous sommes obligés de bailler pour nous comme avocats professionnels. Parce que nous avons une différence. Et moi, j'ai le droit de parler de nos dossiers parce que c'est dossier prisonnier politique. Mais ça ne veut pas dire que moi, c'est avocat dans le dossier. Ça ne veut pas dire que prisonnier, c'est avocat là-dedans. Mais à partir du moment où il y a une famille qui vient de côté, qui dit nous, faut que nous baillons coup de main. Comme ce sont des prisonniers politiques, nous acceptons Bayo. Et je dis, nous avons une responsabilité pour Bayo Koutmen pour nous faire dossier avancer. Moi, je parlais déjà, tout sous dossier ça, avec des responsables du parquet de la Cour d'appel de Port-au-Prince.
on prend toute disposition pour nous mettre dossier en état. Il y a un substitut commissaire du gouvernement à la cour d'appel, pas besoin de citer Noni. C'est lui-même qui est responsable pour mettre dossier en état. Il y a des actes de procédure pour le faire, il y a une citation pour le faire, il y a une conclusion pour le prendre sur dossier. Comme c'est parquet qui te fait un appel qui n'est pas bon, que nous allons démonter au moment opportun, eh bien, il y a une responsabilité, puisque le commissaire du gouvernement, cette matière est partie dirigeante, il y a une responsabilité pour procéder conformément à la loi à la mise en état du dossier des prisonniers politiques. Nous avons travaillé pour que le plus vite possible, le dossier ça nous mette en état. Et à ce moment-là, avec notre avocat qui était déjà dans le dossier, d'accord, moi-même, Maître Maisonneuve et d'autres avocats, nous prenons devant la cour d'appel de Port-au-Prince pour plaider la cause des prisonniers politiques. Comme nous l'avons fait il y a 3 ou 4 semaines pour les prisonniers politiques du 7 février, le dossier de Boutiroua. Et nous espérons que finalement, les prisonniers politiques que nous avons parlé là, Philippe, Anel Bélizère, Babas et les autres, y a capable de sortir de prison, y a capable de joindre libération yo, dans un avenir pas trop lointain. Mais nous allons aller pas à pas, nous travaillons avec le parquet de la cour d'appel de Port-au-Prince pour la mise en état du dossier et pour nous capables de permettre que, enfin, M. Sayo, yo sorti de prison, parce que nous connaissons que les faits à eux reprochés pas aucun fondement, ni en droit, ni en fait. Et nous croyons que nous avons privé avec un minimum de patience. Ça fait plus passer un an et demi qu'ils sont en détention de manière illégale, de manière arbitraire. Il est venu le moment pour la justice de les mettre en liberté. Il est venu le moment pour la justice d'assumer sa responsabilité, parce que justement, cet abus de pouvoir a trop duré. Et par devant la cour d'appel, nous allons casser cet abus de pouvoir. Nous allons, avec la plaidoirie que nous avons à faire par devant la cour, permettre à la cour d'apprécier les faits à eux reprochés et mettre eux en liberté le plus vite possible. C'est pour dire que désormais, nous sommes constitués sur le dossier des prisonniers politiques comme avocats professionnels et nous engagerons, bien sûr, avec les autres avocats qui étaient déjà constitués depuis un an et demi, pour faire avancer ce dossier parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont en prison. Avant hier, Madame Kilik avec maman Vinouenou, on a crié. Ils sont extrêmement graves, regardez, grand monde qui a crié devant, etc. Ils ont sans secours. Ils n'ont pas compte ça pour faire. Et franchement, cela nous a touchés comme êtres humains et ça a touché nous comme professionnels. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés pour nous faire ce que de droit. Même Janto, Abelson Bonnet, qui est en prison depuis 3 semaines, nous avons une famille, nous avons une maison neuve, qui a fait. Et son arrestation illégale, son arrestation arbitraire. Et comme je dis, le juge pratiquement mettait fin à grève ou d'affaires momentanément, ça va permettre la marche du dossier par devant qui de droit. C'est-à-dire nous engager également pour nous permettre à Abelson Bonnet de retrouver sa liberté parce que par aucune raison pour arrêter, il a arrêté illégalement, il a mis en prison arbitrairement, il a arrêté injustement parce que pas gagné pour le reprocher. Nous espérons dans un avenir pas trop lointain, nous permettre à Abelson Bonnet de sortir de prison. Nous parler avec Famini, ou avocat qui t'a l'Oueli, qui parle avec lui tout. Eh bien, je crois que nous n'avons pas avancé, même j'en tout l'autre membre espère en Haïti 7, dans le projet de lundi qui vient, et à Ville Rochelle, mandat d'amener, interdiction de départ. Nous avons privé, écrasé toute bagaille ça. Cette montagne d'injustice et de persécution politique, nous allons la battre avec la force du droit, avec la justice. Merci. Nathalie Michel,